Al-Muallim entame aujourd'hui une visite à Bagdad. L'armée arabe syrienne continue de traquer les terroristes à Al-Qusayr, leur infligeant de lourdes pertes. Sayed Nasrallah, la région tout entière est sous la menace d'un projet takfiriste soutenu par les États-Unis. Crise au dialogue qui constitue une solution politique à la crise en Syrie. Monsieur Al-Muallim a également ajouté que la conférence internationale sur la Syrie, prévue prochainement à Genève, constitue une occasion adéquate pour résoudre pacifiquement la crise syrienne, tout en soulignant que les terroristes présents en Syrie et en Irak appartiennent à Al-Qaïda. Pour sa part, le ministre irakien des Affaires étrangères a souligné que les peuples irakiens et syriens ripostaient au terrorisme, tout en confirmant la participation de son pays à la conférence de Genève sur la Syrie. Sayed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a affirmé que les pays et le peuple de la région étaient sous la menace d'un projet takfiriste financé et soutenu par les États-Unis, tout en précisant que ce projet avait pour objectif de contrôler la région et ses peuples. Dans un discours prononcé lors d'un meeting central tenu à l'occasion du 13e anniversaire de la journée de la résistance et de la libération, Sayed Nasrallah a indiqué que la Syrie était dans la collimateur de certaines forces dirigées par les États-Unis, tout en soulignant que ces forces cherchaient à lui imposer leur propre projet. Il a également précisé que la Syrie était la cour arrière de la résistance qui ne restera jamais le bras croisé alors que la Syrie fait l'objet d'une campagne farouche de la part des ennemis de la région. Nasrallah a aussi estimé que ce qui se passait actuellement en Syrie était très important pour le Liban, affirmant que le Hezbollah soutenait le dialogue en Syrie avant de préciser que la direction syrienne avait accepté, contrairement à l'opposition syrienne, le dialogue pour parvenir à un règlement pacifique à la crise de la crise syrienne. Au terme de son discours, M. Nasrallah a fait noter que l'opposition syrienne basée à l'étranger n'avait jamais de l'influence sur les groupes terroristes armés qui contrôlaient certaines régions en Syrie, tout en soulignant que le noyau dur de ces groupes terroristes armés étaient les takfiristes appuyés par nombre de pays arabes. Une source bien informée a affirmé que des pays et des régimes en faillite assument directement la responsabilité de l'effusion du sang des Syriens et qu'ils étaient à l'origine des attentats et agressions visant la Syrie. Cette même source a précisé que Saoud Al-Faisal, ministre saoudien des Affaires étrangères, n'avait pas le droit de s'exprimer au nom de la Syrie ou des Syriens. Al-Faisal n'est pas habilité à inculquer aux autres des leçons du patriotisme d'arabité et de l'islam parce qu'il manque lui-même de ces leçons, a encore précisé cette même source. Les Syriens sont la seule partie à avoir le droit de décider de son sort et de choisir son gouvernement, a ajouté cette même source, tout en soulignant que l'histoire jugera ceux qui avaient tramé les conspirations contre la Syrie. Enfin, cette même source est bien informée, a fait noter qu'il était honteux que le Qatarien Hamad dictait au ministre saoudien des Affaires étrangères les politiques que l'Arabie saoudite devait suivre. Le président équatorien Rafael Correa a affirmé sa solidarité avec la Syrie, direction et peuple face à la campagne menée par l'impérialisme mondial à son encontre. Lors d'une cérémonie d'investiture tenue en présence de l'ambassadeur de Syrie au Venezuela, Ghassan Abbas, qui a transmis les félicitations du président Bachar el-Assad à cette occasion, le nouveau président équatorien a affirmé que son pays continuait à suivre la politique gauchiste socialiste et qu'il rejetait l'installation des bases militaires étrangères sur son territoire.
À Damas, campagne, nos forces armées ont liquidé certain nombre de terroristes lors des opérations spécifiques à Daraya et Rankous. Une source haut placée a indiqué que des accrochages avaient opposé à Rankous une unité de l'armée à un groupe terroriste takfiriste, tout en précisant que ces accrochages s'étaient soldés par la liquidation du chef du groupe terroriste de nationalité indienne, ainsi que certains d'autres du même groupe, dont Hussam al-Omari. Cette même source a également ajouté que nos forces armées avaient liquidé certains nombres de terroristes au cours de leurs opérations à Daraya, dont le terroriste Abdel Alim alias Abu Qassab et le terroriste Abdallah alias Abu Hussam. Toujours selon cette même source, des unités de l'armée ont détruit un bulldozer utilisé par les terroristes pour établir des remblais de terre et saisi des grandes quantités d'armes et de munitions. Dans le cadre des opérations spécifiques dans la ville d'Al-Qusayr, nos forces armées ont liquidé nombre de terroristes dans les fermes d'Al-Qusayr Est et détruit un dépôt d'armes et de munitions et un nombre de véhicules volés selon les informations. Mohamed Youssef Jabour, de nationalité libanaise, et Razi Kleb, Bachar Raad, Mounes Idris et Mahmoud Raad sont parmi les terroristes liquidés dans les régions Est de la ville. Nos forces armées ont également tué nombre de terroristes et détruit leur position pour interdire toute tentative de leur fournir d'armes. La direction d'orientation au sein de l'armée libanaise a affirmé que deux roquettes de type Grad s'étaient abattues sur une zone résidentielle près de l'église de Saint-Michel située dans la banlieue sud de Beyrouth. Une troisième roquette est tombée dans la rue Maroun Misk, faisant 4 blessés et d'importants dégâts matériels, a également précisé la direction d'orientation au sein de l'armée libanaise. À la fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Al-Muallem entame aujourd'hui une visite à Bagdad. L'armée arabe syrienne continue de traquer les terroristes à Al-Qusayr, leur infligeant de lourdes pertes. Sayyid Nasrallah, la région tout entière est sous la menace d'un projet takfiriste soutenu par les États-Unis. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.